Salut et bienvenue chez Nadev Design. Dans ce nouveau tutoriel sur la retouche de la peau avec Photoshop, vous apprendrez comment corriger les imperfections de la peau tout en préservant sa texture naturelle. Que vous soyez photographe, graphiste ou simplement passionné d'édition d'images, vous découvrirez des techniques et des astuces pour sublimer vos portraits. C'est parti. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà importé l'image que je vais traiter. Donc, pour le faire, vous venez au niveau du fichier et puis vous cherchez importer, incorporer et puis vous importez l'image. Vous cherchez là où se trouve l'image que vous voulez importer et puis vous cliquez sur importer. Donc, maintenant, après avoir importé l'image, vous allez au niveau de cette partie, la partie où se trouvent les calques, et puis vous cliquez, vous dupliquez le calque. Pour ce faire, vous cliquez sur CTRL J. Donc, vous dupliquez le calque, vous tapez la commande CTRL J. Vous pouvez aussi déplacer le calque en appuyant jusqu'à au niveau de l'icône plus pour créer un nouveau calque. Donc, il y a aussi d'autres méthodes. Vous pouvez cliquer droit et puis vous cherchez là où c'est écrit dupliquer le calque. Donc, on va chercher dupliquer le calque. Et puis vous cliquez OK. Donc, vous voyez que nous avons plus de 4 méthodes pour dupliquer le calque. Donc, je vais supprimer les deux derniers calques. Donc, voilà. Une fois dupliqué le calque, vous positionnez votre souris au niveau du calque dupliqué et puis vous cliquez sur CTRL I. Vous tapez CTRL I pour inverser l'image. Donc, une fois inversé l'image, vous venez au niveau du menu déroulant ici et puis vous cliquez sur Lumière vive. Ensuite, vous venez au niveau du filtre. Et puis vous cherchez divers et puis passer passe-haut divers puis passe-haut. Ensuite vous essayez de régler le rayon. Donc ici vous pouvez choisir le rayon que vous voulez, hein. Donc il faut savoir que à chaque fois que vous vous rapprochez, plus vous augmentez le pixel, donc le rayon devient flou, l'image devient floue. Donc moi je vais m'arrêter à 32,2 et puis vous validez OK. Donc une fois fait ça, vous venez toujours au niveau du filtre et puis vous cherchez flou gaussien. Donc flou et puis vous cherchez gaussien, flou gaussien, vous cliquez. Et ici, vous pouvez aussi régler, paramétrer le rayon en fonction des pixels. Donc ici, vous pouvez mettre 3,1, mais je préfère moi laisser avec 4,5. Donc vous pouvez mettre 3,5 ou 4,5. Bon, ça dépend de ce que vous pouvez essayer tous les trois pour voir comment ça va donner le rendu. Cliquez OK. C'est parfait. Donc ensuite vous cliquez toujours au niveau du même calque, vous cliquez sur CTRL puis créer un nouveau masque de fissure. Après avoir créé, vous venez maintenant au niveau de la barre d'outils ici et puis vous sélectionnez l'outil pinceau. Donc il faut aussi définir la couleur ici en blanc. Donc vous pouvez inverser la les couleurs. Donc ici il faut tout faire pour que ça soit blanc en haut. Donc le blanc c'est la couleur que vous devez sélectionner. Une fois faire ça, vous venez maintenant au niveau de l'image et puis vous essayez de effacer les imperfections, les boutons pour rendre l'image sublime. Donc, voilà. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple.
fasse efficacement tout en gardant la texture de la peau. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it? What you gonna be, and do you believe? Alors, comme vous pouvez le constater ici, nous n'avons pas réussi à supprimer toutes les imperfections qui se trouvent au niveau du visage. Vous voyez que nous avons des petites taches ici, de gauche à droite. Ce qu'on va faire, on va essayer de styliser ces boutons-là au lieu de supprimer. Parce qu'il y a des méthodes pour supprimer les boutons et toutes les tâches, ça on verra dans une autre vidéo. Mais là, je vais essayer de rendre, quand on met ces petites tâches là, comme des petites lumières pour styliser l'image, pour sublimer l'image. Donc, pour ce faire, on va dupliquer le calque original. Vous désactivez le premier calque et puis vous venez au niveau de la barre d'outils toujours et puis vous sélectionnez l'outil pièce. Donc voilà, l'outil pièce vous permet d'effacer les boutons et les tâches. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous montrer dans un nouveau tutoriel comment effacer les boutons et les tâches. Au niveau du visage, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes pour faire ces actions là. Donc, mais aujourd'hui je vous montre cette astuce qui vous permet d'effacer rapidement, qui vous permet d'effacer rapidement les petites taches qui se trouve au niveau du visage. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it? What you gonna be? Voilà. Donc, une fois terminé à effacer les petites taches et les boutons, vous réactivez ça et vous voyez que c'est magique. Vous voyez que ça transforme les boutons en jeu de lumière. Vous voyez, c'est plus stylé quoi. Alors là maintenant, je vais vous montrer une autre astuce pour changer, maquiller les lèvres. Donc pour ce faire, vous venez au niveau toujours de la barre d'outils ici et puis vous sélectionnez l'outil plume. Vous venez ici. Vous essayez de tracer les lèvres, donc vous sélectionnez, essayez de suivre les traces des lèvres.
Donc, après avoir sélectionné les lèvres, vous venez au niveau de l'icône qui vous permet de créer un calque de remplissage. Vous cliquez sur « Balance des couleurs ». Donc, ce qu'on cherche ici, on veut, on cherche la même couleur que la couleur qui est utilisée au niveau des yeux. Alors, nous sommes vers la fin de ce tutoriel sur la retouche de la peau avec Photoshop. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu et que si vous avez aimé, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, de partager la vidéo et surtout de vous abonner. C'est gratuit et ça me fera beaucoup plaisir. Et je vous dis à très bientôt.